Bonjour les amis, l'homme que vous voyez ici s'appelle Yakuba Sawadogo. Il est burkinabé et c'est un homme exceptionnel, comme vous n'avez jamais vu de votre vie. Apparemment, ce que vous voyez ici, c'est qu'il est pauvre, africain, analphabète. Vous pouvez lui coller tous les qualificatifs que vous voulez. Mais il est supérieur à beaucoup d'hommes, y compris les plus grands scientifiques du monde. Je répète bien, il est plus grand que les grands scientifiques du monde. Lui, il a créé quelque chose que nous n'avons jamais entendu parler. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Malheureusement, je ne peux pas reproduire ce qu'il a fait parce que je n'ai pas le droit de reproduire ces vidéos parce qu'elles sont sous licence. Elles ne sont pas libres de droit comme j'ai l'habitude de vous transmettre. Mais je vais vous laisser quand même des liens. Je vais vous laisser le lien de sa première vidéo que j'ai découverte. Et je vais vous laisser aussi le lien de la playlist qui parle rien que de lui, presque rien que de lui. Vous allez apprendre quelque chose dont vous pouvez vous inspirer pour l'appliquer sur votre propre vie. Lui, il est dans un secteur d'activité qui n'est pas dans tout ce que vous êtes en train de regarder sur YouTube. Mais son exemple est vraiment très 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 utile si vous voulez réussir dans votre vie. C'est très 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 important. Je vais vous laisser les liens. Si vous ratez cette occasion de voir ce qu'il a fait, ben ça veut dire que vous avez complètement raté le meilleur exemple qu'on peut donner à des gens qui veulent réussir dans la vie. Lui, il a fait plus que ça. Parce qu'il a fait un miracle. Un miracle qui n'a rien à voir avec les grands prophètes. Pour impressionner, il a fait un miracle pour sauver le monde. Pour sauver ces gens d'abord et pour sauver le monde ensuite. Le titre, c'est Yakuba Sawadogo, l'homme qui a arrêté le désert. L'homme qui a arrêté le désert. Aucun prophète dans l'histoire l'a fait cette prouesse. Et bien lui, l'Africain, le noir africain, appartenant à une région très très pauvre, un pays pauvre, et bien lui, il l'a fait. Je vous laisse découvrir sa vidéo. Cliquez sur les liens qui sont dans la description, juste après le titre. Je vous laisse le découvrir, c'est préférable, parce qu'il est impressionnant. Merci. Et à la prochaine.